je crois que plus ça va, moins je dors, puisque le temps avance tellement vite chez moi que j'ai besoin de terminer ce que j'ai entrepris. Trouver la possibilité de pouvoir vivre dans la paix en Nouvelle-Calédonie. J'ai toujours lutté pour y arriver. Et c'est ça ma vie. André Dang est né en 1936 au cœur de ces montagnes du nord de la Nouvelle-Calédonie, dans la poussière d'une mine de nickel appelée Konyambo, où s'entassaient des travailleurs venus comme ses parents du lointain Tonkin. Pas très loin, il y avait les Kanaks, exclus de tout et privés de leurs terres par une administration coloniale implacable. De cette enfance lointaine, André Dang a des souvenirs qui le hantent. Des décennies plus tard, l'enfant de mineur devenu homme d'affaires est revenu sur le Konyambo en affirmant que le nickel pouvait contribuer non pas à la richesse de quelques-uns, mais au bien-être du plus grand nombre. Pour le prouver, il a bâti une usine géante, main dans la main avec les élus Kanak qui dirigent aujourd'hui le nord de la Nouvelle-Calédonie. Tu veux monter là ou tu veux passer par ici? Parce que là, tu veux monter les escaliers. Hein. Comment ça va? André Dang? Très honoré, vraiment très, très honoré. C'est vous qui voulez les 51 dans les siècles. T'es d'accord. Bonjour. Ben Julie, pourquoi tu embrasses que le président? Moi, je suis quoi? Ah ben, bah, il n'existe pas. Je vais se manger. Un dialogue de sourds. Bon, retourne là-bas. Il y a 30 ans, le leader Jean-Marie Tjibaou revendiquait que les Kanaks puissent profiter des gigantesques bénéfices du nickel. C'est ça. Vous allez bien? André Dang, lui, a mis toute son énergie à ce que le rêve politique devienne réalité industrielle. L'avenir de ce pays, je crois avant tout qu'il faut le développement. Et ce développement-là ne peut se faire que par des hommes, les responsables politiques. Et ce que demandent les Kanaks, c'est qu'il y ait un partage équitable. Il ne s'agit pas de leur promettre et puis les tromper. Et si on comprend cela, on pourra vivre en paix. Nous aussi étant là, bienvenue. Voici notre coutume. Pour vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans notre province nord. Mais je suis très heureux de pouvoir le saluer. D'autre part, où il m'a fait plaisir, c'est de savoir aussi que j'étais l'artisan de cette usine du Nord. Ce que j'ai réussi à faire a été exceptionnel. Il m'en félicite. Et pour moi, c'est un grand honneur que le président soit au courant. Mes parents, c'était des engagés. Ils n'avaient pas de nom. Ils avaient des matricules. Ma mère disposait le matricule 649 A et mon père le 10206 A. Puis ils se sont rencontrés sur le Konyambo et puis ils se sont mariés, enfin mariés à la colle quoi. Et puis ils m'ont mis au monde. Malheureusement, après 17 mois, mon père a été décédé à cause d'un accident. Si vous voulez, le Konyambo a pris mon père.
l'âge de 17 mois. J'étais orphelin. Donc, il fallait se débrouiller. Puis ma mère travaillait. Elle ne pouvait pas interrompre puisqu'elle avait un contrat. Donc, ma mère était veuve à l'époque, mais elle travaillait sur mine. Elle poussait les wagons. Elle ramassait une mine riche. Elle poussait les wagons. C'est vrai, c'est la souffrance, tout cela. Ma mère était très malheureuse. Vous aviez ce qu'on appelait les travailleurs volontaires. Hein. Bon, ils étaient vietnamiens, indonésiens, à qui on avait vendu la Nouvelle-Calédonie en leur disant que c'était une terre extraordinaire. Et ils étaient tenus d'aller jusqu'au bout de leur contrat. Dans bien des sociétés, leurs papiers, passeports et autres leur étaient retirés. Quand je dis le travail libre, c'était beaucoup plus proche du côté de l'esclavage que du travail libre. Donc ces gens-là se sont peut-être sentis plus proches, proches des Kanaks. Une fois que le Cognombo est fermé, on a déménagé sur une autre mine. Et c'est la mine Chagrin. Oui, c'est la mine Chagrin. Oh, ben c'était... Il n'y avait rien, quoi. Donc, ils avaient baptisé cette mine Chagrin. On ne mangeait pas. On n'avait pas les moyens d'acheter. Le matin, on balayait le devant des magasins pour avoir une banane. Mais on a beaucoup souffert. Seulement, quand on est jeune, on ne s'en apercevait pas. Mais quand on regarde toute cette image aujourd'hui, on dit, mais ça a été terrible. L'ensemble de son parcours, il est complètement imprimé de cette volonté, de cette ténacité de dire, ben, je vais leur prouver que je suis capable. Parce qu'ils ont voulu m'asservir, parce qu'ils ont voulu m'humilier, moi et ma communauté, hein, parce que ce n'est pas propre à M. Dang tout seul, ni à Chibaou tout seul. C'est le fait d'assumer cette part et puis de dire, mais on va les convaincre par notre travail. Parce que c'est le seul mécanisme, c'est le seul prisme par lequel ils nous reconnaissent cette capacité de devenir des hommes. Nous, on fait la coutume, ça y est, on est des hommes. On plante des ignames, on plante des tarots, on participe à la communauté, on est des hommes. L'économie, c'est pour beaucoup, c'est un peu trivial de dire ça, mais avant, c'était un truc de blanc, quoi. C'est par ça qu'ils nous ont asservis. C'est le dispositif que la colonie elle a mis en place pour nous voler nos terres, pour asservir nos grands-pères, pour saouler les vieux, pour voler les objets, etc. Et puis, du coup, la reconquête de la dignité, elle doit aussi se faire en réinterrogeant ce modèle-là aussi. Il faut qu'on montre à celui qui est en face de nous qu'on est des hommes, nous aussi. Le « nous aussi », peut-être, il est en trop, parce qu'on est des hommes, simplement. Allô? Ouais, Karl, dis-moi. Ah, il faut l'envoyer au groupe d'angle. Ok, dis-lui de patienter, je vais faire le lien dès que j'arrive au bureau, s'il te plaît. Je fais le lien, je m'en occupe. On arrive dans un... Thank you. Bonjour Karl. Bonjour Monsieur Dang. Vous allez bien? Oui, vous, ça va? Ça va. Ça marche. Je vous ai envoyé le message de la Chine. Oui, j'ai vu. Oui. On en a parlé avec Peggy, on passera voir. Ouais, c'est ça. Ben, vous venez me voir. Ouais, hein? Okay. Monsieur Dang n'a jamais accepté la fatalité. Il répète chaque jour à sa petite équipe qu'elle doit voir grand.
et que si la réalité est injuste, alors il faut la changer. Julie s'appelle Dang, comme André, mais il n'y a pas de lien de parenté. Depuis 10 ans, elle fait partie de sa garde rapprochée, avec Karl qui s'occupe des chiffres, Peggy la femme des lois et quelques autres. Le salaire de Robert, c'est bon. Okay. Faut qu'il soit tous estiment comme... avoir la chance de côtoyer un patron atypique, rude, mais accessible. Voilà le type de contrat que nous avons établi au départ. Il faudrait que je reprenne l'arrêté du gouvernement, mais ça pourrait nécessiter un nouveau passage. Donc ça dépend de ce qu'on, de quoi on parle. En fait. Ça tournerait qu'à environ 3000 tonnes au lieu de 4. Sur au dessus, ouais. Comment ça se fait? Ben, je n'en sais rien, c'est le manque de minerais certainement. Ah oui, il faut qu'ils reviennent vers nous parce que c'est surprenant. Ouais. Et le mois dernier, on a fait 4005. Oui. Sur Mars. Il faut lui demander pourquoi. Ouais. Il peut nous faire savoir. Si c'est minerai, teneur ou qu'est-ce qui arrive. Okay. C'est ça. Ah bon, voilà. C'est ça. Il fait comme moi. Oui. Ouais, en plus jeune. Hein. Il est plus jeune que vous quand même. Oui. Ça marche. Voilà. Allez, merci. À Julie, je t'envoie le contrat. D'accord, merci. À l'âge de 5 ans, j'ai été adopté par un couple de Vietnamiens qui étaient libérés et ils avaient un commerce à Nouméa. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup plus de chance que tous mes amis qui sont restés. Ils ont pu commencer les études qu'à l'âge de 11-12 ans, alors que moi, à l'âge de 7 ans, j'avais la possibilité déjà d'aller à l'école. Yeah. Les études, c'est une richesse. Et nous étions tous consciencieux et on veut y arriver. Car nos parents ont tellement peiné qu'on voudrait que la vie change. Début des années 40, André quitte sa mère pour rejoindre une famille d'accueil des commerçants tonkinois de Nouméa. Là, il découvre les lumières de la nuit, son horizon s'élargit. Bientôt, la France sombre dans la guerre, mais c'est si loin et André est si jeune encore. Dans le quartier, on s'inquiète pour les familles restées au Tonkin. Il paraît que les Japonais ont remplacé les Français et qu'ils font preuve d'une violence inouïe. André plonge dans les livres, les sciences, la vie. La Nouvelle-Calédonie a rallié la France libre. Le Japon a attaqué la base militaire américaine de Pearl Harbor. La guerre est devenue mondiale. Et puis, en mars 1942, débarquent les premiers GIs américains dans le port de Nouméa. Les bateaux sont énormes, les camions aussi. Les voitures, les hommes se comptent par milliers. 10, 20, 30, 100 000. Il arrive un moment où ces soldats qui parlent fort et fument comme des cheminées dépassent en nombre les Calédoniens. C'est la folie. Mes parents adoptifs avaient un magasin. Oh, je commençais le négoce. Je vendais des coquillages et tout cela pour les... Vous savez, c'est des souvenirs, quoi. J'avais la parole facile avec les Américains, et puis j'inventais beaucoup de choses pour essayer d'attirer les jeunes Américains. Et parfois, ils achètent parce qu'ils trouvaient que j'étais rigolo. Et donc, j'en profite déjà jeune. Je cherchais les moyens. Enfin, j'exploitais les Américains. À Nouméa, on compte les morts, mais on fait la fête aussi. Les soldats ont besoin de rire, de chanter, de danser. Pour la Nouvelle-Calédonie, la guerre est une étrange parenthèse enchantée. Les combats restent loin, on ne manque de rien. Les GIs sont des géants, des magiciens qui transforment tout sur leur passage. Ils construisent des routes, des ponts, des ports, entretiennent les voies ferrées et les mines de nickel pour augmenter la production. L'armée américaine embauche sans discrimination sur les chantiers
et ses hommes dépensent à tout va dans les magasins de Nouméa. Chez mes parents adoptifs, on a monté aussi une laverie. Puis je m'occupais de l'enregistrement, vous voyez, des linges. Alors très souvent, les gens, ils sortaient, mais il y avait toujours d'argent dans leur poche. Ils n'ont pas dépensé. C'est moi qui regardais les linges, et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est d'aller fouiller dans les poches. Et il y a toujours quelque chose que parfois on leur rendait, mais ils nous retournaient la moitié, quoi, parce que quand ils peuvent venir rechercher leur linge, ils trouvaient qu'on était honnête, alors ça fait aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est sympathisé. Il y avait un capitaine, il m'a dit, si tu veux visiter mon bateau, au quai de la SLN. Et ils m'ont montré tout ce qui s'est passé à bord du bateau. Et puis, je suis rentré avec un poulet. Mais là, j'ai eu une correction parce que je n'avais pas demandé à mes parents. Alors, ça a été une sacrée correction. Ça, c'est inoubliable. Voilà. Ce sont les seuls souvenirs que j'avais en période des Américains. Un jour d'août 1945, une bombe bien plus puissante que les autres anéantit la ville d'Hiroshima et sonne le glas des combats. Le Japon capitule, l'Amérique a gagné. Elle aimerait rester en Nouvelle-Calédonie, mais le général de Gaulle entend préserver l'indépendance de la France. Les amis américains sont invités à rentrer chez eux. Après-guerre, la France décide que Tonkinois et Kanak ne sont plus des indigènes, mais des citoyens. André Dang rêve de devenir quelqu'un, d'avoir un destin. Pour commencer, il tombe amoureux d'une voisine de quartier, se marie, fait des enfants. Il s'occupe de tout le monde, y compris de sa mère qui a enfin quitté la mine Chagrin. La première à venir au bureau. Alors, on suppose que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Je l'ai vue. C'est vrai? Oui. Oh, bon, bonjour. 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 Un petit peu chargé, désolé. Hein. J'ai toujours travaillé très dur. Pendant les études. Merci. La journée. Tu veux de l'eau? On est à l'école, à l'université. Et le soir, je faisais le plongeur. Vous savez, dans les restaurants, j'avais 2 ou 3 contrats pour pouvoir assurer les fins de mois et puis aider aussi ma famille. Et c'est comme ça que finalement, j'en ai pris l'habitude. C'est un pli. Et dans le travail, c'est pareil. Et de mon temps, au départ, vous avez de la discrimination aussi. Donc, on ne pouvait pas avoir du travail comme ça. Et non seulement il faut être diplômé, mais il faut encore être pistonné pour l'obtention d'un poste. Vous ne pouvez pas faire autrement. En compensation pour la mort de son père, André est embauché par la société Le Nickel. L'entreprise française est toute puissante et le nickel, plus que jamais, le moteur de l'économie. Seulement, en cette période, le diplôme pour un local, on avait 40% de moins en salaire. C'était la période. Vous avez en appelé ça le temps du colonialisme. L'employé n'avait pas le droit de réclamer quoi que ce soit. L'Empire britannique s'est effondré. Les colonies françaises se soulèvent. Au Tonkin, le communiste Ho Chi Minh appelle à l'insurrection. Ces discours séduisent mineurs et ouvriers indochinois de Calédonie qui réclament de meilleurs salaires. Les autorités françaises redoutent que l'esprit de révolte n'atteigne la population kanak. La tension sociale monte. De mère vietnamienne et de père français, Marie-Jo est née en Indochine, mais a fui les combats qui faisaient rage dans les rizières.
Elle s'installe à Nouméa et deviendra un jour la secrétaire d'André Dang. Elle garde de l'ambiance hostile qui règne alors en Nouvelle-Calédonie, des souvenirs qui la troublent encore aujourd'hui. Les Vietnamiens qui étaient ici, ils étaient communistes déjà. Ils étaient entreprenants. Leur commerce, bien qu'ils étaient très discrets, leur commerce prenait place. Quand il y a eu Dien Bien Phu, il y a eu une manifestation de joie des gens pour fêter leur indépendance. Et ça a déclenché la colère des Calédoniens. Voilà. Et à partir de là, il y a eu une campagne faite par certains élus de l'Assemblée territoriale. Ça s'est généralisé et on voulait que les Vietnamiens repartent. La défaite militaire française de Dien Bien Phu est suivie par les accords de Genève qui entérinent la naissance du Vietnam. Divisé entre le Sud, favorable aux Occidentaux, et le Nord, allié de l'Union soviétique et de la Chine de Mao. La guerre froide bat son plein. Ho Chi Minh invite la diaspora vietnamienne à rentrer chez elle. Pour les autorités françaises de Nouméa, l'occasion est trop belle de voir la communauté quitter l'île. Ça a été un déchirement pour les gens. Parce qu'ils étaient bon, bien ici. Il y a très peu de jeunes qui sont restés. Et les anciens, ceux qui étaient sous contrat, ils sont tous retournés au Vietnam. André et son épouse font exception. Ils préparent le retour des parents, mais choisissent de ne pas monter avec eux sur le bateau. Ma mère, elle est revenue dans sa ville natale et elle a revu tous ses enfants, donc, parce qu'elle avait des enfants avant de venir. Donc ça s'est bien passé. On n'avait pas à se plaindre. Il n'y a que pour les jeunes qu'il fallait faire le service militaire, car ils étaient en guerre contre les Américains à l'époque. André Dang embarque à son tour, mais direction Marseille. Ses résultats scolaires lui ont permis d'obtenir une bourse, la première accordée à un Vietnamien, et il s'est inscrit à l'école de mécanique auto. Diplôme d'ingénieur en poche, il demande la nationalité française et travaille chez Citroën. Un jour, la direction lui propose de rentrer à Nouméa pour renforcer l'équipe locale que dirige un certain Édouard Pentecôte. L'homme d'affaires est puissant, métis de Kanak, il est sans préjugés et donne à André la chance de faire ses preuves. Au bout de 3 mois, je suis devenu directeur de la boîte. Et j'ai développé cette affaire pendant 9 ans. C'est là où nous avons travaillé ensemble avec Marie-Jo Delpierre. Et il s'est déployé, hein, il s'est déployé d'une façon extraordinaire. Et il nous entraînait tous avec lui. En 1956, le général de Gaulle, en visite privée à Nouméa, se rend à la mine de Thiot pour voir ce nickel que tout le monde s'arrache. L'aviation, l'électroménager, l'agro-industrie. Le héros de la France libre, qui a grandi dans les corons du Nord, se laisse impressionner. 10 ans plus tard, il revient à Nouméa, cette fois en tant que chef d'État. Général, eh bien, il faut quand même une voiture. Et puis, c'est pas n'importe quelle voiture, il veut une voiture DS. La sécurité veut que tu l'enlèves le toit pour qu'il puisse rester debout. Et puis, comme il est très grand, il faut baisser les sièges, etc. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé pour qu'il puisse essayer si ça allait, etc. Je suis monté chez le haut commissaire à l'époque avec la voiture et puis lui demander s'il veut bien. C'est là où j'ai rencontré le général de Gaulle. C'est un très grand personnage. Les premiers essais nucléaires français dans le Pacifique sont critiqués par les Américains et leurs alliés.
De Gaulle défend l'indépendance de la France. Il évoque aussi au passage le rôle que doit jouer le nickel jusque dans le nord de l'île. Son premier discours qu'il avait fait à la mairie de Nouméa, et il parlait le développement de la Nouvelle-Calédonie, qu'il fallait, pour le rééquilibrage du pays, construire une usine dans le nord. Donc lui, il avait pensé à cette usine. Je me disais, peut-être que le général de Gaulle avait raison, que je pouvais, si on me donnait ce massif, pourquoi pas? Pourquoi je ne ferais pas une usine pour le pays? Ça trottait déjà dans ma tête. Mais ça s'arrêtait là, puisqu'on n'en avait pas les moyens, il faut vous le dire. Ce n'était qu'un rêve. Les richesses minières sont alors réservées à l'État français et à quelques grandes familles, dont celle d'Edouard Pentecôte, le patron d'André. Pour l'heure, André, lui, tire profit du boom du nickel en vendant des automobiles symboles d'opulence et d'insouciance, de beauté et de modernité. La société de consommation envahit Nouméa, alors en pleine croissance. La demande du nickel international était telle que les mines, elles produisaient à 200%. C'était une ruée vers les mines. Tout le monde achetait les camions, tout le monde voulait avoir sa part. Edouard Pentecôte a obtenu le monopole des camions Mercedes sur les conseils de M. Dang. La flotte, elle était énorme, les clients étaient... On en avait tous les jours. C'était le boom du nickel. Un jour, André décide de quitter son patron et de voler de ses propres ailes. Bonjour. Désormais, il vendra des voitures japonaises, aura son garage et même des pompes à essence. J'ai commencé mon affaire personnelle. Mais je peux vous dire que je n'avais pas un sou. Et puis, on avait un tel succès avec les Toyota, les ventes de voitures, car les Kanaks nous appréciaient beaucoup. Ils appréciaient au départ... C'est notre contact commercial. On les soignait, ils venaient avec des pochons d'argent pour nous payer. Il avait cette passion de réussir. C'était une passion. Parce qu'il savait que c'est en réussissant qu'il allait se faire reconnaître. Au Vietnam, la guerre contre les Américains a pris fin en 1975. Mais le pays réunifié depuis est exsangue et le gouvernement communiste particulièrement autoritaire. Certains de ceux qui sont nés en Calédonie tentent d'y revenir, coûte que coûte. André Dang parvient à rapatrier sa mère, mais dans la famille, tout le monde n'a pas la même chance. C'est du côté de ma femme. Alors là, il y en a qui sont perdus. Parce que les bateaux, c'était, vous savez, c'est des moyens de bord. Dans le mauvais temps, parce qu'il y a le typhon là-bas. Et quand ils partaient en fraude. Ils sont partis en mer. Il y en a combien qui sont perdus en mer? Il y a 3 familles, 13 personnes. 13 personnes. Oui. Plus de nouvelles, quoi. Alors, je me suis rendu à Saigon pour voir, mais c'est la disparition et... Ni par la suite, je suis allé à Hong Kong pour voir où ça en était. Mais là aussi, c'était pas possible. Il y en a beaucoup de bateaux qui sont disparus en mer. Something, but if they do something more. Donc on sent que les choses avancent beaucoup plus vite. Oui. Du côté de l'Australie, ce qui permet de pouvoir démarrer la due diligence. La due diligence. C'est le moment de commencer à vraiment rentrer dans le dur, en fait. Ok. Très bien. Très bien, monsieur. Merci.
Très bien, ben, au revoir. Merci. Au revoir. Jean-Marie Thibault était un homme politique. Et il passait à ma station-service parce que j'étais juste à l'entrée de la ville. Et il venait tout le temps acheter du pétrole. Et c'est comme ça qu'on s'est sympathisé. Et puis un jour, avec Gérald Courteau, nous avons été invités dans une réunion politique chez eux. Et puis j'ai participé à un dîner, mais je ne faisais pas de politique. Et c'est comme ça que j'avais pensé, pour les Kanaks, de se développer. Car si vous voulez, ils étaient exclus comme nous dans le passé. Début des années 80, la tension politique monte. En 1984, naît le Front de Libération Nationale, Kanak et Socialiste. Il rappelle à la gauche au pouvoir en France qu'elle a promis l'indépendance. La droite calédonienne s'insurge contre François Mitterrand. Jean-Marie Thibault, lui, forme un gouvernement Kanak clandestin. Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous. Rendez-vous de l'histoire du peuple Kanak. Merci au soleil. Merci à nos ancêtres d'être là. La communauté calédonienne, elle avait peur. Elle a vu tout d'un coup que le monde mélanésien était capable de s'organiser, de les contrer violemment et de se mettre en première place, en premier rang. Donc elle avait peur et la peur, ça déclenche la violence. Mitterrand, t'as les mains pleines de sang innocent. Edgar Pisani débarque en Calédonie pour apaiser les esprits. C'est raté. Plusieurs militants du Front de Libération Kanak sont assassinés. Parmi eux, des frères de Jean-Marie Thibault. C'est l'engrenage. Nouméa est à feu et à sang. J'ai décidé de déclarer l'état d'urgence. À partir d'aujourd'hui, 12 janvier 1985, à 12 heures. Quelques minutes plus tard, des manifestants occupent le centre-ville. Certains incendient le garage de la famille Dang, qu'ils accusent de soutenir les Kanaks. Fort heureusement, André est avec sa femme en voyage d'affaires au Japon. Leur vie est menacée, alors ils décident de ne pas rentrer. Un Viet peut devenir un coiffeur ou un tailleur, ou le restaurant, mais pas du tout dans le domaine de la voiture. Là, on est rentré dans la grande cour, et ça, ce n'est pas permis pour un Vietnamien. Donc, à travers ce qui s'est passé en politique, ils ont saisi cette occasion et ils ont brûlé chez nous après. C'est badigeonné partout, dans dehors, dans communiste, dans indésirable, etc. Il n'a pas renié ses relations, ses amitiés. Il connaissait Jean-Marie Thibault, il n'a pas renié Jean-Marie Thibault pour autant. Il a continué à le voir. Et en Nouvelle-Calédonie, à cette époque-là, encore un peu aujourd'hui, mais à cette époque-là, avoir une amitié avec un indépendantiste, c'était être indépendantiste soi-même ou cautionner la démarche de l'indépendance, c'était s'acoquiner avec les Kanaks, enfin, un certain nombre de choses qui conduisaient André Dang à être cordialement détesté. Donc oui, ça a été probablement pour lui et pour sa famille. Un moment particulièrement dur à vivre. Les menaces qui pèsent sur les Dang sont telles que les enfants supplient les parents de s'installer en Australie. Toyota est enchanté de pouvoir compter sur André à Sydney. Bientôt, le couple est rejoint par plusieurs membres de la famille et la nounou des enfants, un pilier du clan. Elle raconte l'incendie du garage, elle y était. Bonjour. Les caldoches, ils sont marqués sur la route que M. Dang l'a donné à 4 millions. Il a marqué devant moi, parce que j'habite chez M. Dang, ici à Nye. Et voilà, c'est marqué que M. Dang l'a donné à Yewene avec... C'est M. Dang, oui. Excuse-moi, mamie, hein, que c'est M. Dang qui finance le FNLKS, oui. Le parti indépendantiste. Oui. Parce que lui, peut-être, l'a aidé les Kanaks, ou je ne sais pas. Non. Ou je ne sais pas, hein. Adressez-moi devant tout le monde. Ah, elle se fait agresser par les caldoches qui travaillent dans la même entreprise qu'elle, chez les, enfin l'entreprise à Toyota. Toyota. Jean-Marie Thibault a perdu des frères, des cousins, des proches.
il demande à André Dang d'accueillir ses deux plus jeunes fils et de les protéger. Et moi, j'ai gardé les gosses. Seulement, j'ai surveillé les gosses et tout. Les gosses de Tibao, Manuel avec Joël. Ah. Le reste avec moi aussi à Australie. Un mois et demi, après ils sont partis à Canberra. C'est pas rien de confier ses enfants, hein. Nous, on l'a jamais vu, Monsieur Dang. Et en 85, 86, partir là-bas, nous mettre dans l'avion, nous dire, vous allez là-bas. Et puis nous, on est allés. Parce qu'on savait que on n'avait pas le choix. Et puis en même temps, on savait qu'on allait chez quelqu'un de confiance. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, pour nous, hein, mais on bougeait dans différentes maisons. À chaque fois, les gens nous cachaient. On arrive à un grand portail en fer forgé. Il appuie sur un bouton, le truc il s'ouvre. Et une allée pavée avec des briques roses. C'était Dallas. Hey, incroyable. Et puis on est arrivé, on a vu la mémé là, de Mar et Wakacha. Du coup, on a vu que c'était une mémé Kanak, donc on était un peu rassurés, juste quoi. Je parle marais avec les gosses. Si les gosses qui écoutent pas mal, je puis l'autre gosse jeter à la piscine. J'ai trop rigolé, mais... Et là, moi, avec les deux gosses de Tibao, à Zoo, à Australie. Voilà. Un zoo derrière l'opéra à Sydney. Manu et puis Joël. Voilà. C'est tout et merci. André Dang profite de ses années d'exil en Australie pour faire fortune, en vendant des voitures à la Chine et au Vietnam, malgré l'embargo américain. Mémé, 90. 52. Non, je n'ai pas de plus gagne. Bingo. Voilà. Bingo annoncé. Bingo, t'as bien attrapé, là. Voilà, on gagne. En avril 1988, François Mitterrand et Jacques Chirac s'affrontent pour le premier tour de l'élection présidentielle. Chacun ressent que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est en train de se jouer. Petit 1, collé 3, apôtre 10. Personne n'imagine que tout va basculer dans la tragédie. 84. Sur le petit atoll d'Ouvéa, des indépendantistes prennent des gendarmes en otage. L'opération pour les libérer s'achève dans un bain de sang. Jacques Lafleur, le leader de la droite, et Jean-Marie Tjibaou réalise qu'il y a urgence à se parler. Le chemin du dialogue conduit à Matignon. Des accords sont conclus. La population kanak retrouve une partie des terres de ses ancêtres et obtient l'autonomie politique dans plusieurs régions, dont celle de Konyambo. On évoque un partage des richesses plus équitable. Quant à l'indépendance, tout le monde s'accorde sur un délai de 10 ans. Ceux qui, ici à Paris, ont parlé en votre nom, on fait preuve de courage et de responsabilité. Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner. Pour les indépendantistes, l'économie est un défi, le nickel plus qu'un symbole. Jean-Marie Tjibaou demande à André Dang de rentrer à Nouméa, mais les deux hommes n'ont pas l'occasion de se mettre au travail. Jean-Marie Tjibaou est mort. Assassiné. La communauté kanak perd un leader généreux. La Nouvelle-Calédonie, un homme de réconciliation. Et moi, un ami. Comme Jean-Marie Tjibaou, avant sa mort, avait demandé que je revienne. Quand il est mort, j'ai décidé de rentrer. On dirait qu'ils avaient fait un pacte. Si je réussis pas moi, il faut qu'on y arrive ensemble pour transformer. Je pense qu'il y avait un amour aussi du pays.
Parce que M. Dang, il n'avait pas besoin de revenir ici, hein, la vérité, il n'avait pas besoin. Là-bas, il était bien là-bas, en Australie. Je souhaite que l'action que je continue de... Jacques Lafleur fait alors un geste pour marquer son soutien au rééquilibrage économique. Il vend au Canac du nord de l'île une de ses entreprises minières, la SMSP. Monsieur Lafleur, c'est un homme politique, un homme puissant qui a tous les pouvoirs. La cession de la SMSP, pour lui, ça lui permet de démontrer sa générosité à l'égard des Canucks. Mais je pense que son calcul, où il s'est trompé, c'est qu'il pensait de pouvoir démontrer aussi que les Canucks étaient des demeurés. Car cette affaire est une affaire qui était déjà en faillite et qui n'avait ni mine, ni finance. Et moi, je suis venu comme un cheveu dans la soupe. Et évidemment, on est fait pour ne pas s'entendre. Aucune banque ne veut prêter un franc à la société. Il faut trouver du cash au plus vite. André Dang, Gérald Corteau et le jeune leader Raphaël Pigeot se rendent à Tokyo. Là-bas, les métallurgistes en quête de nickel sont nombreux. Mais tous hésitent à conclure avec des Canucks dont ils ne savent rien. Toyota soutient André Dang, qui, lui, se porte caution de la SMSP sur ses propres deniers. Les 10 millions de dollars, à l'époque, ça faisait quand même plus d'un milliard en Nouvelle-Calédonie. Ça a été quand même quelque chose de très important. Et c'est comme ça que j'ai sauvé la société. C'est moi qui prenais la photo et je pilotais, là. Donc, il y avait Raphaël, André et les traders japonais. Il fallait les caresser dans le sens du poil. Et ça, André Dang, c'est le faire parce que il n'y avait pas de moyens. En dehors de notre bonne volonté et de la matière première, André avait réussi à mettre les traders en concurrence. S'il n'y a pas ma ressource minière, ils ne pourraient pas faire tourner leur industrie. Donc, en comprenant tout cela, j'imposais aussi ma politique, mais à juste raison. Et c'est comme ça que tous ces traders doivent s'incliner, parce qu'eux, ils sont là aussi pour gagner de l'argent. On a passé des moments difficiles, mais on a passé aussi des moments extraordinaires. À Nouméa, tout le monde est convaincu que les Canucks ont échoué auprès des Japonais. Personne ne voit que la SMSP est déjà en train de prendre son envol. Moi, je passe derrière si jamais tu te fais casser. Merci, Peggy. Hein. Ok, c'est bon, merci. Hein. Voilà. Bonne journée, madame. Mais je l'ai fait en sorte qu'elle s'est sortie de ses difficultés, mais qu'elle est devenue la plus importante société minière de la Nouvelle-Calédonie. Et on peut considérer aussi comme l'exportation de minerais. Elle est devenue le leader mondial de l'exportation de minerais. Le mur de Berlin est tombé, la Chine monte en puissance. La demande mondiale de nickel explose et les gisements calédoniens semblent inépuisables. Les élus canaques de la province nord voient les affaires de leur entreprise prendre une ampleur qu'ils n'imaginaient pas. André Dang annonce pour 1995 des exportations records, 2,5 millions de tonnes de minerais bruts. On enrichissait les Japonais, parce que c'est grâce à notre nickel qu'ils ont construit leur pays. La première des choses, ils ont fait 5 usines chez eux et ils venaient prendre tout notre minerai. Alors j'ai compris, j'ai très bien compris. Là, j'ai dit, il faut qu'on devienne métallurgiste. Dans la tête d'André Dang, prendre le tournant de la métallurgie, cela signifie d'abord récupérer le Koniambo, puis bâtir une usine à ses pieds. L'Agence française de développement finance en partie l'acquisition du site. Reste à trouver l'argent pour l'usine. André Dang suggère alors de rencontrer Falcon Bridge, le géant canadien du nickel. Dossier sous le bras, il saute dans un avion pour Toronto. Il a vraiment impressionné notre PDG. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté par la suite. Parce qu'il avait une telle intelligence de marché.
incluant une intelligence sur la société même de Falconbridge. Donc, il a rencontré notre PDG, puis il a dit, « J'ai bien étudié votre société, qui performe bien, et je me rends compte que vos réserves de minerais, hein, vos ressources, ça me nuise. Et bientôt, vous allez manquer de minerais. Et moi, nous, en Nouvelle-Calédonie, nous en avons beaucoup. » Et du très bon minerai. Voilà les exploitations que je vous montre. Alors, je l'ai convaincu. Et il a donné des ordres pour que les gens y viennent une semaine après avec les géologues chez nous. Et on a montré tout ce qu'on faisait. Alors, ils étaient très contents. Et alors, on a accepté. Il a donné son accord de principe pour qu'on y participe dans la construction d'une usine. André Dang précise aux Canadiens que les Kanaks exigent d'être actionnaires à 51% de la future usine. Ils veulent profiter de la vente du minerai, mais plus encore, des bénéfices engrangés lors de sa transformation. C'est là qu'est la vraie richesse. Ben, quand on n'a rien, il y a quelque chose qui s'appelle le capital nature. Ben, les multinationales, comme tout le monde, ils considèrent qu'ils n'ont pas à payer le capital nature. Hein? C'est à eux, ils prennent et ils en font ce qu'ils veulent. Ben non, je m'excuse, mais... Monsieur Néoutin et les autres ont insisté sur le fait qu'il fallait absolument que la minière locale conserve 51%. Donc ça, c'était un défi, là. C'était pas habituel. Si on apporte ce capital nature qui va devenir donc, un moyen de production, sur des titres miniers, ben c'est nous qui l'apportons, ça appartient au pays. Ça vous appartient pas. Donc, vous arrivez, c'est chez nous, vous amenez la technologie, tout ce que vous savez faire, le capital, l'argent et financier, commercial et tout ce que vous avez. Et nous, on prend 51% parce que cette usine, une fois qu'elle va être créée, ben, elle va rester dans le pays. Hein, et elle va vous servir pendant autant longtemps. Mais renvoyez l'ascenseur quand même. Donc, 49%, on vous fait confiance, gagnant-gagnant. Ben, c'est ça le raisonnement. Bon, tout le monde a ri, tout le monde nous prenait pour des rigolos. Au fil des discussions, on se rendait compte qu'il valait mieux avoir 49 % d'un magnifique projet que d'avoir 100 % de rien. Monsieur Dang et son entourage ont été les premiers à convaincre une majeure de faire un partenariat dans ces conditions-là. Il faut toujours un premier. Falconbridge accepte de financer la construction de l'usine, si la France donne son feu vert, bien sûr, mais charge aussi Michel Rioux de vérifier que les indépendantistes ont vraiment le soutien de la population kanak. Je vous présente ce geste en guise de remerciement déjà pour votre invitation, votre accueil et pour l'opportunité que vous nous donnez à nous de vous parler de ce projet. Je mettais ça souvent en avant en disant « Le Koniambo est une montagne magnifique. Si vous n'avez pas besoin d'y toucher, il ne faut pas y toucher. Le nickel, il ne s'évaporera pas. Il sera encore là dans 200 ans. A contrario, si vous, dans la communauté, vous faites l'analyse que vous avez besoin de mettre en valeur la richesse qui est contenue dans cette montagne, vous voulez la convertir en cash, hein, en valeur monétaire pour payer des services publics, des infrastructures publiques, offrir des emplois à la jeunesse, offrir des opportunités de sous-traitance aux entreprises locales. Alors là, nous sommes les partenaires qu'il vous faut. Simplement, merci d'être venu aujourd'hui à notre invitation, ici dans notre case, dans notre maison commune. Parce que le projet que vous portez, c'est notre espoir.
Après l'enthousiasme vient le temps des désillusions. La concurrence accepte mal le projet de Koniambo, dont elle mesure l'extraordinaire potentiel. Certains dénoncent les ambitions d'André Dang, d'autres l'utopie kanak ou encore la présence canadienne. La population de la province nord se met en colère. Les leaders indépendantistes exigent de la France qu'elle tienne parole et cède le Koniambo. Ouais, toi. La seule façon que ce peuple a eu de se faire entendre, c'est d'aller dans la rue, de manifester, de dire qu'il voulait ce massif, qu'il leur revenait de droit, que c'était naturel. Il y a eu des barrages partout, il y a des gens qui étaient sur les barrages, et ces gens qui ont été sur les barrages, bah, quand ils sont rencontrés les gendarmes, bah, il y a eu des arrestations, il y a des gens qui sont allés en prison, et c'était une manifestation pour avoir le droit à leur usine, en fait. Cet outil, il n'est pas qu'industriel, en fait, hein. Il est ancré dans le cœur et dans les tripes de la population kanak aussi. C'est vraiment des gens qui se sont battus pour l'avoir. En 1998, 10 ans après les accords de Matignon, le gouvernement français et les forces politiques de Nouvelle-Calédonie décident de prolonger la réflexion sur l'indépendance. Par contre, pour le Koniambo, la chose est acquise. Le gisement appartient désormais à la province nord, donc aux indépendantistes qui la dirigent. Les travaux peuvent démarrer. Pour André Dang, l'émotion est intense. Le Koniambo est important parce que c'est là où son père a perdu la vie. Là, j'ai pris une petite vidéo où on le voit en train de juste se recueillir. Il a beaucoup de pensées pour son papa, pourtant qu'il n'a pas connu. Hein. Mais il me dit toujours, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il veille sur moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a quand même son cordon qui en cordon ombilical qui est enterré sur le Koniambo. Donc le lien, je dirais qu'il est là. Hein. C'est pas un hasard que André Dang est revenu pour construire l'usine du Nord. Je pense que ça, c'est le destin. Près de 4 milliards de dollars, c'est ce que devait coûter la construction de l'usine. Les prévisions seront revues à la hausse à la démesure de travaux qui s'avèrent titanesques. Une partie des matériaux provient de Chine, une autre d'Inde. Des modules géants sont acheminés par cargo. Pour les accueillir, il faut draguer le chenal du futur port. Pour assembler et poser, il faut terrasser la montagne. Des milliers d'ouvriers de toutes origines campent pendant des mois sur place. Au final, l'usine cathédrale de Koniambo pèsera l'équivalent d'une dizaine de tours Eiffel. En attendant les jours heureux où le nickel sortira enfin des fours, André Dang, lui, est engagé dans un terrible bras de fer avec l'administration. Vous savez, un homme qui subit 50 brigades financières, et c'est pas de la tarte. Et 50 brigades dans 3 ans locales, les inspecteurs n'ont rien trouvé. Mais ensuite, ils ont insisté de façon à faire à vous nous envoyer les inspecteurs de Paris. Ensuite, les inspecteurs d'Interpol. Et là aussi, ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien du tout. Ils ont inventé beaucoup de choses. Et c'est leur stratégie pour pouvoir me faire partir de ce pays. Mais j'étais soutenu vraiment par mes employeurs qui sont de la province nord, surtout Paul Néotine. André Dang va payer très cher le stress accumulé. Ses médecins lui annoncent un cancer du pancréas. Falcon Bridge organise son transfert aux États-Unis. Je me suis fait le soigner là-bas. Là, ça a été un coup dur. Que d'ailleurs, j'étais préparé pour partir, puisque on savait que le pancréas est quelque chose qui n'est pas... qui est très difficile de survivre et dans lequel... j'ai préparé ma famille, j'ai préparé tout le monde pour pouvoir partir tranquille, quoi. Voilà. Raphaël Pigeot prend le relais à la tête de la SMSP. André Dang se sent soulagé. Son successeur ira jusqu'au bout de la construction de l'usine.
la famille d'André supplie ses amis kanaks de le laisser en paix et de le rendre au sien. Donc je dis à Raphaël Bidjou, Raphaël, la famille, on n'a pas le droit de faire ça. Sa maladie, c'est tout le stress, de tous les contrôles. Là, j'ai encore l'émotion. Et la famille dit, est-ce qu'on peut le rendre? OK. On fait comment? Ben, on va faire une cérémonie. Et c'est ce qui est là. La flèche fêtière. J'ai fait venir tous les coutumiers là et on a fait un remerciement. C'est pour le remercier parce qu'il est en fin de vie. Il était condamné à Ouléo. La série noire continue. Le sort s'acharne sur l'entreprise. La mort rôde autour des hommes qui lui ont tout donné. Un mauvais jour, un mauvais vent, et en novembre 2000, un hélicoptère s'écrase alors qu'il survole les environs du Koniambo. Il n'y a pas un seul survivant. À l'intérieur se trouvent Raphaël Pidjou et ses adjoints, dont un Canadien. La société minière est décapitée. Paul Néaoutine appelle aussitôt André Dang. Il lui demande s'il a le courage de reprendre les affaires en main. Juste le temps de sauver le rêve commun. André Dang encaisse la mort de Raphaël et des autres et promet de rappeler. Il me dit, Paul, c'est OK pour la proposition. C'est juste pour te dire que là, je suis aux États-Unis. Là, ils me font les contrôles, les mystères. Il n'y a plus de séquelles. Tu savais dire quoi, ça? Il me dit, mais la maladie dite, qui m'a condamné, là, mais elle a disparu. Et puis, je dis, c'est une blague ou... Il me dit, non. Je reviens, je te montre. Je dis, bon, ben OK, ben, tu prends la relève, alors je te fais nommer, et puis on avance, puis on verra. Et voilà, et c'est resté depuis. Ça n'a pas été facile, mais il n'y avait personne, donc il a fallu que je revienne. Mais il a fallu faire cet effort pour le pays, et je l'ai fait. Je pense que c'est aussi le destin. Mon destin, ce n'était pas encore l'heure, donc on m'a permis de continuer à faire ce que j'avais à faire. Enfin, jaillit la première coulée de nickel, 20 ans et quelques étincelles après les premiers pas de l'entreprise. L'émotion est immense. En terre kanak, plus rien ne sera tout à fait comme avant. Certains anciens évoquent un tremblement de temps. Quels sont les enseignements que nous devons tirer de cette formidable aventure humaine et industrielle? Assurément, il ne faut pas avoir peur de voir grand. Dès lors que l'on se bat pour une cause juste, s'inscrivant dans une démarche de développement durable,
il faut faire preuve de ténacité et la mettre au service d'une ambition légitime pour la Nouvelle-Calédonie. Ceux qui sont logés là, ce sont les travailleurs étrangers. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit pas tellement de monde finalement. On a l'impression que ça tombe tout seul. Mais en fait, il y a 900 personnes là. Quasiment. Bah, on en a pas mal aussi sur mine. Hein, donc. Oui. Mais là, c'est oui. Comment la répartition oui, entre, ça, l'usine, et entre l'usine et la mine? Oui, c'est ça. Entre l'usine et la mine. À la mine, on est à peu près 200. Quoi, 200. Et on a aussi pas mal de sous-traitants, plus de 400. Entre les mineurs, les fondeurs et tous les autres travailleurs de la chaîne, oui, il m'en faut tôt. Allez, écoute. L'entreprise fait vivre 3500 familles. Ok, je lance la déconnexion. Merci bien. Le bouleversement est énorme. Près de la moitié des postes sont tenus par des femmes. Non, parce que là, ça part en arcade. Ça va dépendre de Dodo. Déjà, Aïdel. Peut-être un petit peu plus. Une centaine de jeunes est partie se former au Québec. Et depuis, Falcon Bridge a été racheté. Aujourd'hui, le partenaire s'appelle Glencore, un géant anglo-suisse, fortement critiqué pour ses pratiques sociales partout dans le monde. À Koniambo, ce n'est pas la multinationale qui décide des conditions de travail, mais les Kanaks, actionnaires majoritaires. Tu es en contact avec différents services et puis tu... Je pense qu'on est tous chefs d'orchestre. Moi, j'ai le mien, eux, ils ont le leur. D'accord, on ok, si on travaillait tous ensemble. Maintenant, on entend toujours le slogan « Un autre monde est possible ». J'ai dit, moi, je sais que M. Dang, lui, ce qu'il a fait, c'est possible parce que j'ai vu le résultat là-bas. Transformer la réalité. Transformer une réalité. Bonjour, Paul. Bonjour. Ça va bien? Hein? Ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Je vois Glenn. Ça, je sais. Mais les yeux, toi. Même à faire mal. Je suis arrivé à droite de la nuit. Mais t'as pas d'or? Mais si. Paul Néaoutine et André Dang ne cachent pas leur plaisir de voir venu le temps de la reconnaissance. D'autant qu'avant même le démarrage de Koniambo, ils ont monté une affaire tout aussi improbable avec des industriels sud-coréens. Depuis lors, une usine fonctionne à quelques heures de Séoul. Et bien sûr, selon la coutume désormais en vigueur, le critère du 51-49 en faveur des Kanaks a été adopté. Aller réaliser cette usine en Corée, ça a été aussi quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'important parce que c'est un motif de fierté pour les indépendantistes. Je dirais même, de manière plus générale, de fierté pour les Calédoniens. C'est un sujet qui est un sujet kanak et indépendantiste et qui est devenu un sujet calédonien, qui a démarré dans le scepticisme des non-indépendantistes et qui aujourd'hui est un élément de fierté pour tous les Calédoniens. Donc, l'air de rien, ce projet, il a cheminé et aujourd'hui, tout le monde se l'est approprié. Chaque tonne de garnérite expédiée à partir de la Nouvelle-Calédonie peut être traitée par notre usine en Corée. La Nouvelle-Calédonie percevant alors 51% de la vente métallurgique qui génère un résultat brut presque 50 fois plus élevé que celui résultant de la vente de minerais brut. L'utilisation du nickel est exponentielle. Dans les immeubles futuristes, les batteries des voitures, les ordinateurs, les téléphones portables. Une aubaine pour la SMSP qui vient de convaincre la Chine de construire à son tour une usine à majorité kanak. Le succès pourrait donner le vertige. Il incite au contraire Paul Néaoutine et André Dang à une profonde réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le pays se fait qu'à travers le retour de la valeur ajoutée de la métallurgie
car c'est bien la transformation qui nous permet de recevoir le maximum de revenus pour pouvoir développer autre chose que le nickel, dans d'autres secteurs que le nickel. La Nouvelle-Calédonie importe l'essentiel de son alimentation, et cela coûte fort cher. L'enjeu est suffisamment de taille pour qu'André Dang s'y intéresse. Sans quitter d'un œil le Koniambo, il pense maintenant développement agricole et surtout permaculture. Bien sûr, ça fait sourire. On a refait l'entrée. C'est une entrée qui n'existait pas. Oui, c'est ça. Vous avez changé. Pour leur permettre de se former et de démarrer leur propre exploitation, André Dang a mis à disposition de jeunes Kanaks plusieurs centaines d'hectares en friche. Grâce au nickel qu'on va extraire, on va financer, on va investir dans des outils qui plus tard vont ramener de l'argent pour nous permettre justement de financer des activités autres que le nickel. Donc il va y avoir l'environnement, il va y avoir le tourisme, il va y avoir... Voilà. Mais le nickel, contrairement aux arbres là, qui poussent quand je peux replanter, le nickel, on ne peut pas replanter. Donc il va partir après un moment donné. Donc tout cet argent-là, on le réinvestit par ailleurs. Le terrain d'expérimentation est situé à deux pas de l'endroit où l'on a trouvé, il y a 150 ans, les premières traces de nickel. Un détail qui pourrait signifier que la boucle est bouclée. Pas aujourd'hui, bien sûr, mais dans les esprits déjà. Le pays a besoin de se développer. Et on n'en fait pas assez. Le nickel, c'est une chose, mais il faut quand même préparer l'après-nickel. Et c'est ça qu'on investisse et on leur permet de se développer. Et nous, avec ce que nous avons, on doit aussi penser à l'avenir. Et le futur, c'est cela. C'est cette agriculture qu'il faut. La démarche rappelle celle de Koniambo au premier jour. Pas plus utopique, pas moins. La terre de Nouvelle-Calédonie va continuer à donner du nickel et devrait un jour pouvoir nourrir la population. Mais dans les régions à majorité kanak, comme dans le Nord, la terre est un enjeu qui va beaucoup plus loin encore. C'est l'espace sur lequel ils assument leur identité, ils assument la légitimité de qui ils sont. C'est le fait de les asseoir chez eux. Parce que ça fait partie de notre manière d'appréhender le rapport à la construction des hommes. Pour pouvoir être un homme debout, ben, il faut disposer de la terre qui porte son nom. Ces vieux ont habité là où on fait les médicaments, etc. Donc c'est aussi pérenniser pour partie l'héritage que nos vieux ils nous ont laissé. Donner du sens aussi à ce qu'on veut pour notre pays, si on parle de développement économique. On le fait en silence, mais on avance. On le fait et ensuite on fait la démonstration. Mais évidemment, vous avez l'ancien système qui est difficile à changer. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est un exemple et tout le monde peut le faire. Compte tenu de mon âge, on ne sait pas. On peut, un matin, partir. Et aujourd'hui, je crois que tout est en place. Alors je suis rassuré, je peux partir tranquille.